Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Je combats l'infection avec une infusion de thym. Bon, si vous voulez guérir plus rapidement, il y a du gingembre, cannelle, citron que vous pouvez faire. Bon, là, j'ai pas de citron. Hein. Donc, remarquez, rien qu'une infusion de gingembre, ça remonte. Hein. Mais bon, le citron apporte de la vitamine C. Donc, ce que je vais faire là, c'est le système D de la manicure. Je vous baisse, vous verrez bien. Si je peux grossir un peu. Voilà. Voilà. Regardez dans l'état dans lequel il se trouve. Veillez à ce que votre vernis soit bien mélangé. Vous prenez le même. Là, c'est le même, mais avec du vernis incolore en plus. Il change de couleur. Oui. C'est en transition. Voilà. Donc, il est vieux, donc je l'ai rediluer. Pour ça, on se met au bord. Voilà. Et on applique par-dessus. Tout doucement. Pour recouvrir la première couche de vernis. Donc, ça fait la deuxième. Voilà ce que ça donne. Bon, je vais mettre du durcisseur après. Mais voilà, pour ce doigt-là, il en a largement besoin. Donc ça va recouvrir tout ça. Et ça vous fait. Donc quand il pousse, hein, c'est normal, ça décale. Vous dire que j'ai même du mal à supporter l'odeur du vernis. Alors on fait bien les côtés, patiemment. J'ai passé une journée de bip. Donc j'ai décidé de m'occuper de moi un petit peu de temps en temps, ça fait pas de mal. J'en mets à côté, mais c'est pas grave, ça s'enlèvera. Alors là, je vois qu'il n'y en a pas assez. Donc, j'en rajoute. Hop là. Je vais faire l'autre main, si j'en suis capable. Pour ça, je décale le flacon. Je viens déposer mon vernis comme pour l'autre main. Attention à ce qui peut se trouver à côté parce que là je suis en train de me faire avoir. Donc ça c'est le système D, hein. Système de secours. On retrempe son pinceau, on l'essuie, on étale. Voilà.
quand on arrive au petit doigt, c'est pas la peine. Donc, on referme tout de suite son vernis. Je le laisse là. Je vais aller chercher le durcisseur. Je vais en mettre partout ce coup-ci. Alors donc, excusez, mais j'ai du bazar. Donc, je dois faire avec. Entre les médicaments, là. Oh. Je ne m'en sors plus. Les médicaments qui craquent. Regardez, accident. Alors, qui dit accident? On étale. Et on vient lisser le tout par-dessus de façon à ce que ça ne se voie plus. Voilà. Alors, accident là. Accident là. Hop, on vient déposer une goutte quand c'est un petit creux. Ah, j'ai tout qui tombe. Après le vernis color, ça se verra plus. Donc mon vernis color est devenu violet, c'est pas grave. Façon sur du rose, ça se verra pas. Donc là, je mets une bonne goutte. J'étale régulièrement et je laisse sécher. Une bonne goutte. Et vous voyez que mon vernis change de couleur. Ce qui aura débordé va s'enlever. C'est sur la peau. Si c'est sur la peau, ça va s'enlever. Donc mon vernis a changé de couleur. Voilà. Oh là, je suis en train de me faire un caberc. Oh, ça y est, il y a encore du foot à la télé. Sa gueule. Voilà. Bon, maintenant, le vernis est protégé. On laisse sécher. Voilà. Puis vos ongles sont refaits. Alors, je vous conseille les transitions de. C'est Chine Glaze, je crois. Ouais, si Chine Glaze. Ils sont trop top. Vous voyez l'état des ongles. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Voilà. Excusez-moi, je vais rétrécir. Voilà. Mais franchement, l'odeur du vernis quand on a mal à la tête, c'est pas top.
Je vais reprendre deux ibuprofène 200 là. Ouais, parce que. Alors, comment faire quand on a les ongles qui sont faits? Eh ben, on se serre des doigts. Simplement des doigts. Voilà. Fais glisser. Là, je vais me servir de mon ongle pour appuyer. J'appuie légèrement. J'ai mes médicaments dans la main. Après, il faut avoir une bouteille d'eau près de soi. Toujours une bouteille d'eau. Je l'ai remplie ce matin. Que je viens de prendre, c'est de l'ibuprofène, hein. Parce que entre le mal de tête et la crève, ben voilà quoi. J'ai la tête en plus d'or de vernis. Et bon, ça bougera pas. Si je patiente 5-10 minutes. Donc, on peut se servir que des doigts, hein. C'est là aussi, hein. Désolée, c'est l'infusion qui. Bah, j'en ai bu des trucs aujourd'hui, hein. Thé. Grog, infusion. C'est bon, là je suis paré. J'ai pris un efferalgan, ça n'a rien fait. Évidemment. Je vais essayer de me faire une cigarette de la main gauche. Donc on utilise ses doigts. Faut savoir tout faire quand on se fait de la manicure, hein, parce qu'il faut prendre le temps de faire les choses. Viens là, toi. Viens là, toi. Hop. Par exemple, se servir des ciseaux, on met les doigts, on met pas les ongles. Après. Je fais mes zigzags pour mon filtre. J'écrase les zigzags. Ah, si j'y arrive, voilà. Je coince le filtre. Non, pas ce côté-là. Hop, d'un côté. Le plus dur, c'est d'attraper le tabac sans s'en coller sur les ongles. On écarte la pochette. Et on va y prendre délicatement le tabac. On décoince la machine. On appuie légèrement et on a un accident. On lisse le tout. Voilà, c'est presque sec donc. Je sens mes ongles qui se collent sur les boîtes, les machins, les trucs. Bon, j'ai fait comme je peux, hein. Comme je pneus.
malgré tout, j'ai réussi à faire ma cigarette. Ils ont nickel. Il y a deux vidéos que j'ai pas fait passer parce qu'elles étaient trop longues. Donc là, il est 20h17. Complètement KO, j'ai pas chaud. Et en plus, il va falloir que je me déshabille. Ce que je crains le plus, parce que vu que j'ai froid. Je peux vous dire que je crois que je vais me mettre sous la couette vite fait. Il faut déjà que j'attende que ce soit sec. Aïe! Oh, cochonnerie! Oh, ça fait mal. Arrête sans filtre. Pas grave, j'en aurai demain. Ah, mais je suis HS. J'espère que vous avez eu une bonne qualité d'image avec le grossissement. Vous me direz ça. Parce que j'ai pas de retour vis-à-vis de ça. Si c'est ça, je pourrais filmer plus en détail. Ce que je fais. Donc j'ai besoin de votre avis. Oh. Vivement sûr qu'on se couche. Crois que c'est la dernière que j'ai fumée. Ah, puis en plus, ça s'éteint sans arrêt. C'est génial.
C'est bon, j'ai donné. Puis ça me brûlait en plus. Crois que c'était la dernière. C'était la pire. Le vernis est sec, pratiquement. Pardon, ah, je suis désolée, mais j'ai essayé de manger juste un gâteau. Même ça, bah, ça me dit rien. Je vais arrêter là. Je vais vous dire à plus. Et voilà.